Bonjour, dans cette capsule, nous allons, à l'aide d'un code Python, utiliser le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Alors, donc, voici l'énoncé. Donc, il s'agit. Donc, nous travaillons dans un espace vectoriel E et nous considérons une base d'un sous-espace vectoriel F. Et donc, pour. Déterminer une base orthonormale du sous-espace vectoriel F, nous utilisons l'algorithme suivant, donc qui est parfaitement adapté au fait qu'il soit exploitable dans un code Python ou autre. Alors, nous, c'est Python, nous allons travailler dans IDLE, et nous aurons besoin d'un seul module, mais il va nous être très précieux. C'est le module NumPy. Dont on va utiliser plusieurs fonctions, dont le calcul du produit scalaire, la racine carrée, et puisque nous avons à disposition ce module, nous allons utiliser aussi le fait de pouvoir utiliser des tableaux, des arrays. Alors, bien qu'il y ait une fonction qui permette de calculer le produit scalaire dans NumPy, on va quand même créer notre propre fonction qui permet de calculer le produit scalaire. Alors, le produit scalaire usuel. Nous ne travaillons qu'avec le produit scalaire usuel dans ce programme. Alors, la fonction qui permet de calculer le produit scalaire, c'est VDOT. Donc, voilà, j'ai créé une fonction scale qui permet de calculer le produit scalaire de deux vecteurs de deux vecteurs quelconques de mon espace vectoriel F, de mon sous-espace vectoriel F. Alors là, plus utile, on va créer une fonction qui permet de normaliser un vecteur, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il devienne que sa norme soit égale à 1. C'est là où j'ai besoin de la fonction racine carrée, donc je calcule, pour le normaliser, je calcule la racine carrée du scalaire de U, c'est-à-dire sa norme, divisée par U. Ensuite, je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais écrire une fonction Gram-Schmidt qui va permettre justement de créer notre base orthonormale du sous-espace vectoriel F. Alors, je l'ai défini pour l'instant. Voilà, Gram-Schmidt. Et là, donc, on va les mettre dans une liste. Le premier vecteur, c'est le premier vecteur de la base de départ, mais normalisé. Donc, d'où la ligne suivante. Alors, la liste qui va contenir la base orthonormale, pardon, je l'appelle L2. La liste de départ, c'est L1. Et donc, je récupère avec l'indice 0 de. Alors là, c'est un array. De L1, je récupère. Non, L1, c'est une liste. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, je disais une ânerie. Donc, je récupère le premier vecteur et je le normalise. Et donc, j'initialise ma liste L2. Et puis, donc, je vais faire ça. Pour tous les autres vecteurs. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur les dimensions, vous pourrez remarquer. Donc, je vais boucler. La dimension du sous-espace vectoriel F, ça sera la longueur de la liste L1 moins 1. Ensuite, puisque j'applique cette formule, je vais initialiser une variable s en récupérant le e de k, c'est-à-dire L1 de i. Et puis après, je vais additionner, enfin soustraire plus précisément, à la somme des produits scalaires des ek xi fois xi. Donc j'ai une seconde boucle à réaliser, que voici, que voilà. Alors l'indice, on va l'appeler J. Et puis, on va appliquer cette formule.
complètement, si je puis dire. Et ça nous donne cela. Donc on part de S et on retire à chaque fois chaque terme de cette somme. Ensuite, ben, je rajoute à ma liste L2 le vecteur obtenu, mais je le normalise. Je n'oublie pas, pardon, de le normaliser. Ce qu'on fait ici, donc le S que j'ai obtenu, je le normalise et je le rajoute à la liste S2. Et puis donc, pour chaque vecteur que je vais obtenir dans cette liste. Donc c'est cette boucle-là qui achèvera le remplissage de la liste des vecteurs de la base à orthonormer. Bah, je retourne la liste, puisque c'est ça que je souhaite. Donc j'ai un dernière ligne dans, c'est ici, dans ma fonction Gram-Schmidt. Je vais, on va voir ce que ça donne sur un exemple. Alors là, on va partir d'un espace E de dimension 4. Donc les vecteurs auront 4 coordonnées. Et on va partir aussi d'un sous-espace vectoriel de dimension 3. Donc il me faut 3 vecteurs que je vais nommer U0, U1, U2. Vous pouvez tester avec tout un tas de vecteurs. Moi, ça sera avec cela. Parce que là, je vois de manière très claire que c'est une famille libre. Et puis, je vais appliquer à la liste formée de ces 3 vecteurs, je vais appliquer la fonction Gram-Schmidt. Voilà. Et puis, on va écrire tous les vecteurs normalisés dans la console. Donc, une dernière petite boucle qui va parcourir la liste. Qui va parcourir la liste L2. Alors attendez, on va voir ce que ça donne ce programme. Alors voici, effectivement, voici nos vecteurs normalisés. Je vous laisse soin de vérifier. Alors déjà que leur norme fait bien 1. Et que 2 à 2, leur produit scalaire fait 0. Voilà. Donc, on avait bien récupéré la liste dans F. C'est normal que je parcours F. Écoutez, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Et je vous dis à très bientôt.